crier. Si vous approchez, je... Au secours, aidez-moi. Plus de médecins que le président lui-même. Chérie. Tu penses que je perds l'esprit? Mais non, voyons. Quand une personne fait le même cauchemar nuit après nuit, c'est qu'il est temps de faire quelque chose. On verra ça ensemble, d'accord? D'accord. Les cornets n'ont pas bougé, la cicatrisation est très jolie, c'est excellent. Je ne vois aucune raison de ne pas reprendre le volant, Anne. Oh non, je ne suis pas encore prête. Alors allez vous balader, sortez, regardez le monde. Avancez d'une étape. Est-ce que vous avez déjà... traiter des gens qui ont vu des choses ensuite. Oh, eh bien, en tout cas, je l'espère. Sinon, ça voudrait dire qu'on a fait tous ces efforts pour rien. Vous croyez qu'il y a un quelconque rapport entre ces transplants et les visions que j'ai parfois? Des visions? Vous parlez de cauchemars? Non. Je les ai même en plein jour. On dirait des... Ça fait comme des films qui passent devant mes yeux. Votre opération de la cornée n'a rien à voir avec ces cauchemars. Anne... Est-ce que vous avez vu un psychologue après votre accident? Astucieux, très astucieux. Vous savez, si vous ne pouvez pas m'aider à trouver le nom du donneur, est-ce qu'il serait Anne, possible de... Je pense que vous savez que on a un protocole qui protège les donneurs et leur anonymat. J'aimerais vous aider, mais ma position me l'interdit. Oui, je comprends. C'est entendu. Écoutez, je vous conseille de sortir un peu, mais vous devez rester prudente. Ce ne sera complètement cicatrisé que dans 6 mois, et un quelconque traumatisme vous renverrait au point de départ. Merci de vous en inquiéter. Tu es sûr que ça va aller? Je peux appeler et dire que je n'irai pas à l'entrepôt. Je peux demander à Pat de terminer l'inventaire pour moi? Non, ça va aller. Je vais pas avoir le temps de m'ennuyer. Ils m'ont envoyé des dossiers la semaine dernière. D'accord. Ça ne peut que te faire du bien. Je veux dire... Chérie, écoute. Je sais que les choses n'ont pas été faciles ces derniers temps. Pour toi. Mais je voudrais que tu saches que je... Enfin... Je suis sûr que les choses ont envie de s'arranger. Je sais que je n'ai pas été marrante tous les jours. Mais je me suis rachetée. Oui, mon trésor. J'essaierai de ne pas rentrer tard. D'accord. Au revoir. Passez une bonne journée. Ouais, toi aussi. Rapport de l'inspection générale des services concernant l'officier Byron Shell, un policier impliqué dans une affaire d'échange de coups de feu. Dossier numéro 788-835-422. Interrogatoire mené par le lieutenant G. Kowalski. Officier Shell, décrivez-nous les événements qui ont suivi l'appel que vous avez reçu alors que vous étiez en patrouille dans le secteur nord-est. Nous sommes rendus sur les lieux de l'agression. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites? Non! Ne m'approchez pas! Je vais crier! Je vais crier! Au secours, aidez-moi! Je vous en prie! Au secours! Au secours, aidez-moi! Je l'ai vu ce soir par ma fenêtre. Il était de l'autre côté de la rue. Je préfère encore me suicider plutôt que de subir cet homme. J'en ai marre de devoir le fuir.
John Culver? John, ça a recommencé. Qu'est-ce qui a recommencé? Je l'ai vue. Elle avait une dizaine d'années. Elle était magnifique. D'accord. Essaie de te détendre. Je rentre à la maison. Oui, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Vous croyez que ça peut avoir un rapport avec votre accident? Il s'est produit il y a 6 ans. Vous ne devez pas sous-estimer ce qui s'est passé ce jour-là. Vous avez perdu la vue et le bébé que vous attendiez. C'est un lourd fardeau à porter. Votre esprit pourra peut-être sortir de l'amnésie grâce à ses rêves, sans rapport direct avec vous, ses cauchemars, ses visions. Mais ça n'a commencé qu'après l'opération, jamais avant. Je crois que ces visions sont... Enfin, qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre. D'accord. À qui? Ou ça vient de moi et je suis en train de perdre la tête, ou... Ou ces images sont à celui qui m'a donné ses yeux. Alors, vous croyez voir des images qui ont fait partie de la vie de votre donneur? Non, de sa mort. Ah. Elle cherche à échapper à une personne. Elle s'enfuit, il réussit à la coincer et il la tue. C'est moi qui le tue, j'ai la sensation qu'il me tue, ça revient, encore et toujours. Eh bien, à mon avis, je dirais que ces visions sont la manifestation de la vue de votre propre mort, de la façon dont, selon vous, elle aurait dû se produire. Et cette petite fille, c'est votre bébé qui aurait grandi si elle avait survécu. Comment ça, il vient d'arriver? Dis-lui que tous ces rouleaux seront livrés dans la matinée. Quoi, trop tard? Entendu. Je ne rentrerai pas très tôt ce soir. T'as pas à t'inquiéter, ça va aller. Tu sais, j'aimerais pouvoir t'aider à régler ce problème et à repartir à zéro. Tu ne régleras rien, John. J'ai juste besoin de savoir que tu es là pour moi, c'est tout. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Passe à l'étape suivante. Tu devrais conduire jusqu'à la côte. Salut, vous deux. Salut. Anne, t'as pas oublié notre mission de sauvetage, peut-être? Oh, je l'avais zappé, je suis désolée. Oh, regarde tout ce matériel. Amusez-vous bien. Merci. Je dois y aller. À plus tard. Au revoir. Alors, il est toujours convaincu que t'es bonne pour la camisole? Il croit que je suis folle parce que je refuse de conduire. Tout le monde veut que je conduise, mais je ne vais pas le faire juste parce que les autres l'ont décidé. Écoute, il essaye seulement de t'aider. D'une manière typiquement masculine, sans la moindre sensibilité. Exact. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Après l'opération, on s'est dit qu'on allait enfin pouvoir avancer, prendre un nouveau départ, peut-être même essayer de... Oh, j'en sais rien. Vous allez vous en sortir, idem, tout rentrera bientôt dans l'ordre. Sûrement pas tant que j'aurai ces visions. J'en ai de plus en plus souvent ces temps-ci. Tu crois pas que si je savais qui est le donneur, je n'en aurais plus jamais? Essaye de le savoir. Eh oh, confidentialité, tu vois le problème? Où est l'appel? Oh. D'accord, je crois que j'ai une idée. Je t'écoute. Juste après avoir divorcé, je suis sortie avec un crétin. Une fois, peut-être deux, une de ces bêtises qu'on fait après une rupture. J'aurais pensé que tu en avais fait plus d'une. Oui, enfin, quoi qu'il en soit, le crétin en question avait un cousin qui regardait toutes les nuits des émissions sur le paranormal. Le genre de gars bizarre qui ne travaillait que la nuit. Je sais qu'il était gardien à la banque des yeux du quartier Est. Et s'il y est toujours, il pourra peut-être te renseigner. Mais surtout, fais très attention à lui. Il a les neurones qui font des nœuds. Oh. Mmh. D'accord.
Bonsoir, je suis Anne Culver. Et je suis l'amie de Kara Tappers. Vous m'entendez? Y a quelqu'un? Bonsoir. C'est quoi que vous voulez? Vous êtes Steven? Je suis ici pour vous parler de quelque chose de personnel. Personnel? Quelque chose d'assez étrange. Vous avez frappé au bon endroit. Ça me fait plaisir d'avoir de la visite de temps en temps. Je me sens un petit peu seul. Attention, vous marchez. Ouais, au bout d'un certain temps, vous vous mettez à discuter avec les yeux. Ne vous inquiétez pas, hein. Ils ne répondent pas. Ouais, pas encore. Alors, wow. Quelle affaire personnelle amène une belle jeune femme comme vous avec d'aussi jolis yeux, hein, dans un endroit comme celui-ci? J'ai subi une greffe. Waouh! On vous a greffé une belle paire de mirettes, hein? D'habitude, on les greffe sur des vieux qui claquent peu de temps après, de toute façon. Alors, vous avez eu quoi? Une dystrophie de la cornée? Accident. Accident? Pas de bol. Quelle sorte? Prenez votre temps, je veux tous les détails. Asseyez-vous. Objet pointu. Acide de batterie. Bout de verre. Quelque chose comme ça. Oh, ça ne fait rien, vous n'êtes pas obligé de me le dire. Après tout, je suis trop curieux. Je le suis, moi aussi. En fait, Kara m'a dit que vous pourriez m'indiquer le nom de mon donneur. C'est ce qu'elle vous a dit? Eh ben, je peux pas. Désolé. Écoutez, c'est très important pour moi. Oui, oui, alors, j'en doute pas une seconde, mais je risque de perdre mon emploi. Ce qui n'est pas trop grave, j'aurais besoin de dormir un petit peu plus et de voir le soleil, mais c'est de finir derrière les barreaux qui m'ennuierait le plus. Vous n'êtes pas la première à tenter le coup, et vous êtes très douée. Mais non. Mes raisons à moi sont tout à fait différentes. Pourquoi? J'ai souvent des visions. Je vois des choses tout à fait inhabituelles. Des choses? Des choses qui m'empêchent de dormir. Des choses incroyablement merveilleuses ou incroyablement violentes et cruelles, c'est ça? C'est plutôt violent, oui. Et vous ne voyez plus du tout ce qui vous entoure quand ça se produit? Comment vous le savez? Oh, c'est pas vrai! Quoi? Vous, eh bien, en réalité, vous voyez la dernière chose que le donneur a vue avant de passer de l'autre côté. Hein, d'accord, c'est un truc énorme. J'ai enfin trouvé une personne qui me croit. Ouais. Alors vous connaissez ce phénomène? Bien sûr, oui, oui, c'est extrêmement rare. Jusque-là, très peu de cas ont été enregistrés. Je rêve de parler à quelqu'un comme vous depuis des années. Quelqu'un comme moi? Oh oui, oui. On vous a déjà dit que les tissus avaient une mémoire. Ils ont une mémoire. Exact, c'est ce qui vous arrive, d'accord? C'est un peu comme quand on laisse un ordinateur allumé trop longtemps, l'image s'imprime sur l'écran. Oui. Eh bien, c'est pareil, d'accord? Dans de super, super rares occasions, les dernières images qu'une personne a vues juste avant de mourir peuvent rester dans les tissus de la cornée. Et en particulier quand il s'agit d'une mort violente. Comment est-ce que vous pouvez savoir tout ça? Oh, je me passionne pour tout ce qui touche l'espèce humaine, vous voyez. Écoutez, je me fiche de ce que les médecins vous ont raconté. Je suis ici depuis assez longtemps pour savoir que les yeux qui sont ici peuvent voir. Chacun de ces yeux a ses petits secrets. Il leur suffit d'une personne réceptive pour les faire revivre. Bon, très bien, d'accord. Pour retrouver le nom de votre donneur, j'ai besoin de votre numéro de sécurité sociale. On ne passe pas la ligne jaune, s'il vous plaît. Merci. Et surtout, vous ne dites à personne que vous avez eu le nom de votre donneur grâce à moi, hein, d'accord? Vous avez ma parole. D'accord. Merci. Pas de problème. Un de ces jours. Bonsoir. Bonsoir. Tu viens juste de rentrer? Non, il fallait que je rattrape du travail en retard. Je t'ai attendu. Je suis désolée pour le retard. Tu as faim? Tu veux que je te prépare quelque chose? Non, merci. Il y avait des soldes chez Rodman que je voulais pas rater. Tu t'es pris quoi? Tous les trucs intéressants étaient déjà partis. Je suis épuisée. Alors je vais monter prendre un bain, d'accord?
Monsieur Angeletti? Si vous comptez sauver l'âme de qui que ce soit, vous frappez à la mauvaise porte. Non, non, je suis ici pour vous parler de votre fille. À propos de quoi? Ce que j'ai à vous dire est assez inhabituel. Est-ce que je peux entrer? Je voudrais vous parler de son meurtre. Qu'est-ce que vous dites? Laisse, je vais régler non, ça. Non, j'ai entendu ce qu'elle a dit. Je vous en prie. Je crois connaître la vérité sur le décès de votre fille. En effet, j'ai vu son meurtre et depuis, je n'arrête pas de le voir. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Julie est morte en se suicidant. C'est ce qu'on vous a dit? Oui. Si vous avez des informations sur le contraire, pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police? Je n'ai aucune preuve. Qu'est-ce que vous racontez? J'essaie seulement de trouver des réponses, Madame Angeletti. Oh, je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous déranger. Attendez, attendez. Quand cet inspecteur est venu nous dire qu'il l'avait retrouvée morte, qu'elle s'était suicidée, j'ai eu du mal à croire ce type. Et je ne le crois toujours pas. Alors je voudrais savoir comment vous l'avez découvert. Elle se remet à peine de la mort de Julie. Elle recommence tout juste à vivre, alors... Maintenant, sortez. Will. Je suis désolée. Salut. Salut. Sandy, viens là, mon petit trésor. Sandy est la fille de Julie. Elle vit chez nous maintenant. Est-ce que vous êtes une amie de ma maman? Oui. Elle me manque. Tu vas retourner faire tes devoirs, ma chérie. Je dois parler à Madame Culver. Madame Culver, vous reviendrez bientôt? Eh bien, j'espère que oui. Viens, ma chérie, allons-y. S'il vous plaît, on va sortir. J'ai eu un accident de voiture. Et j'ai reçu des éclats de verre dans les yeux. Et je suis devenue aveugle. J'ai les yeux de Julie, Madame Angeletti. Julie est mon tonneur. Julie. Et après l'opération, j'ai commencé à voir ce qu'elle avait vu ce soir-là. Est-ce qu'elle a souffert? Elle a été très courageuse, vous savez. Très forte. J'ai toujours senti que quelqu'un lui avait fait du mal. Et quand ils sont venus me dire qu'elle s'était suicidée, j'ai su que ce n'était pas vrai parce que Julie n'aurait jamais fait ce genre de choses. Quand elle avait des difficultés dans la vie, elle ne baissait pas les bras. C'était pas du tout son genre. C'était une battante. Est-ce qu'il y a une personne qui pouvait lui en vouloir? Je sais qu'elle a eu un copain pendant un certain temps. Lon, je ne sais plus trop quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une casse de voiture en banlieue. Après quelques mois, elle a voulu rompre avec lui, mais... il refusait de la laisser tranquille. Et le père de Sandy, qui est-ce? Elle était mariée? Mariée? Non. Non, le père de Sandy s'appelle Darry Wheeler. Il n'est pas du genre à se fixer. Il a disparu du paysage juste après la naissance de Sandy. Elle est allée devant les juges pour demander une pension, mais il n'a jamais rien payé. J'ignore où il se trouve aujourd'hui. Et je n'ai aucune envie de revoir ce monsieur. Si vous arrivez à voir ce qu'ont été les derniers moments de Julie, je pense que vous avez un don. Alors utilisez-le. Vous devez trouver la vérité à propos de ce qui s'est passé ce jour-là pour que Sandy ait enfin la conviction que sa mère n'a pas décidé de l'abandonner.
et que quelqu'un la lui a enlevée. Vous devez trouver qui a fait ça à ma Julie. Oui, d'accord. Merci. Vous vous rappelez le nom de l'inspecteur qui vous a annoncé la mort de Julie? Burke. Oui, l'inspecteur Burke. Inspecteur. Inspecteur. Oui. Inspecteur Burke. On se connaît. Bonjour, je m'appelle Anne Culver. J'ai été sténotypiste à la cour pendant des années. J'ai probablement écrit votre nom et votre matricule plus souvent que mon propre nom. Alors j'espère que vous avez pu corriger mes nombreuses fautes. je suis venue ici pour vous parler d'un sujet assez délicat. Délicat, d'accord. Vous voulez déjeuner avec moi? Oui. Écoutez, Madame Culver, vous êtes bien placé pour savoir que nous n'avons pas les moyens d'enquêter sur des théories basées sur des visions ou des cauchemars, ou appelez ça comme vous voulez. On a découvert le corps vers le pont Mater. Elle était cassée de partout. Une vraie bouillie. Le légiste a dit que c'était dû à la chute. La chute? Quand elle a sauté du pont Mater. Du pont? Vous savez, c'est le lieu de prédilection des amoureux en détresse et on retrouve fréquemment des corps là-bas. Non, Julie n'a pas sauté du pont Mater. Elle a été assassinée sur un chantier. Julie Angeletti s'est suicidée. C'est la conclusion du légiste. Vous voyez, c'est simple. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Parce que je connaissais sa situation avant qu'elle ne se donne la mort. Quelle situation? J'ai procédé à une injonction de payer pour Madame Angeletti. C'est là que j'ai constaté à quel point elle avait une vie difficile. Cette injonction concernait Lon Saunders, n'est-ce pas? C'est exact. Et dès qu'il a reçu cette injonction, il a disparu de la circulation. Un type dur et indifférent. Est-ce que vous l'avez informé de la disparition de Julie? Je n'ai pas l'habitude d'être de ce côté de la barrière lors d'un interrogatoire. Non. Le médecin légiste a conclu au suicide. Il n'y a pas eu d'enquête. C'est une affaire classée. Ceci dit, la mort de Julie a été plutôt positive pour vous. Vous avez retrouvé la vue, non? Alors rentrez chez vous. Profitez de votre chance. Bonne journée à vous. Bonjour, Ellie. Je vous connais? J'ai travaillé plusieurs années ici, j'étais sténotypiste. Ah oui, je me rappelle bien de vous. Vous étiez très rapide, vous étiez toujours la première à rendre vos rapports. Vous avez une sacrée mémoire. Oui, mais parfois, vous nous rendiez vos rapports avec le prénom de l'officier en premier, au lieu d'inscrire son nom de famille d'abord. Waouh, je vois que vous n'oubliez rien, n'est-ce pas, Ellie? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, voilà, j'ai été contactée par le juge Simpson ces jours-ci et il semblerait qu'une de mes petites erreurs d'aversion ait réapparu et vienne me hanter. L'affaire Scott Casey passe en cour d'appel et le juge Simpson voudrait la transcription originale de l'audience. Mais le problème, c'est que je l'ai classée sous Casey Scott. Je ne vous ai jamais vue dans le secteur. Je vous revaudrai ça. Thank you.
Vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Monsieur Wheeler? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'appelle Anne, j'étais une amie de Julie. Je voudrais discuter avec vous une minute. Entrez, allez, dépêchez-vous. Entrez, je sors pas d'ici. Monsieur Wheeler. Monsieur Wheeler. Monsieur Wheeler. Monsieur Wheeler. Vous êtes flic? Non, je ne suis pas flic. Vous ressemblez à un flic. Moi, j'aime pas les flics. Je ne les aime pas non plus. Non, je suis passée vous voir pour vous parler de Julie et de votre fille Sandy. Ouais, c'est ça. Moi, je voudrais te parler de ton Mac. C'est Sanchez, c'est non, ça je... Il t'a envoyé pour m'arnaquer. Mais non, écoutez, je vous ai dit, je comprends pas. Non, non. Bien sûr. J'aime bien ton parfum. Lâchez-moi. Tu iras nulle part, chérie, tant que tu m'auras pas dit que je t'envoie pour m'arnaquer. Mais non, personne ne m'a envoyé. Tu vas me le dire tout de suite. Alors, qui t'a envoyé? Sanchez, c'est ça? Hein? J'ai une grande nouvelle pour toi. Je sais pas ce qu'il veut. Tu m'entends? Je t'interdis de bouger. Tu vois, ma réserve est vide. J'ai plus rien. Rien du tout. Et j'ai une question. Est-ce que Sanchez te paie pour ce travail? Ou il te colle sur le trottoir? Je sais qu'il refile le sale boulot à ses poules, mais je trouve que ça fait un peu beaucoup, non? Écoute, voilà ce que je vais faire. Je vais choper Sanchez et je vais me servir de toi pour l'avoir. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? J'arrive, ma belle. T'es prête, mon ange? Je vais te trouver. Entoure une blessure en forme d'étoile dans la région occipitale du crâne. Salut. Je t'apporte deux, trois choses qui sauveront la vie de ton jardin. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Anne? Que se passe-t-il? Ça va te sembler ridicule, mais je sais que Julie attend de moi que je retrouve celui qui l'a tué. Je deviens cinglée? Non, t'as rien d'une cinglée. Écoute, étant la personne qui a l'honneur de porter l'énorme fardeau d'être ta meilleure amie, laisse-moi te dire ceci. Continue tes recherches, c'est très bien. Merci. Bon. Et maintenant? Je crois que je ferais peut-être bien d'aller rendre une petite visite à cette ordure de l'homme. Tu crois que c'est très sage? Tu vas lui dire quoi? Je n'en ai aucune idée. Je sais pas grand-chose, j'avance à l'aveuglette.
C'est un jeu de mots. D'accord, je vois. Très bien, je t'accompagne. Non, je dois affronter ça toute seule. Je vais y aller en taxi. Anne, l'heure est venue. Génial, j'ai réussi. Oui, tu as réussi. N'oublie pas, pour John, on dîne ensemble ce soir. D'accord. Tu suis bien les indications. Et promets-moi de faire attention. Vous avez besoin d'aide, madame ? Possible. J'en sais rien. Cette caisse est trop jolie pour finir à la casse ? En fait, j'étais en route pour aller faire mon marché quand j'ai entendu comme des bruits étranges dans le moteur. De drôles de bruits ? Mais à quoi est-ce que ces drôles de bruits ressemblaient ? Ça faisait quelque chose comme ça. Ouvre le capot. Je n'ai pas conduit depuis quelque temps et... Trois fois rien, juste une petite crasse. Attendez quelques minutes et vous pourrez redémarrer. Alors, vous y allez pour acheter quoi exactement au marché ? De la rhubarbe. Ah oui ? Vous faites quoi avec de la rhubarbe ? Oh, une vieille recette de famille, une tarte à la rhubarbe et aux noix. Hein ? De la tarte à la rhubarbe, j'adore ça. Comme mon mari. C'est sa préférée. Il a de la chance. Je parie que je suis capable d'en manger plus que lui. Allez-y, démarrez. Thank you.
êtes bien chez les Culver, veuillez laisser un message et nous vous rappellerons dès notre retour. Salut chérie, c'est moi. Désolée d'avoir manqué ton appel, je suis... Enfin, j'avais coupé le téléphone parce que, devine quoi, j'ai repris le volant, est-ce que tu peux croire ça? Moi, au volant! Oui, c'est Kara qui m'a poussée à le faire, alors voilà, je... Eh ben, j'ai réussi à le faire. Enfin, Kara et moi, on dîne ensemble ce soir, il reste un peu de ragoût dans le réfrigérateur, tu n'as qu'à le réchauffer. Et, eh ben, à tout à l'heure, d'accord? Bonne soirée. Steven, c'est Anne Culver. Ah, et vous êtes revenu, c'est bien. Est-ce que je peux entrer? Ouais, bien sûr, je vous ouvre. Bonsoir. Salut. Vous n'avez pas pu résister, c'est ça? Et vous en êtes où, avec vos visions? Désolée de vous déranger à nouveau, mais je voudrais vous demander un autre service. Un service? Oh, vous voulez échanger des bleus contre des verts, d'accord? Non, j'ai besoin d'une introduction. Une introduction? Auprès de qui? J'aurais besoin d'un maître de vision. Ah oui, je connais quelqu'un, c'est une femme. Mais ses connaissances sont surprenantes. Moi, je dirais qu'elle est dans les nuages, un peu ma boule. Je sais pas si c'est trop votre truc. Je suis bien revenue vous voir, non? Ouais, ça c'est sûr. Elle ressemble à personne que vous connaissez. Elle s'appelle Jasmine. C'est probablement ce qu'il vous faut. Où pourrais-je la trouver? Dans le parc du bord de mer. Elle parle aux arbres. Elle parle aux arbres? Ouais, vous la repérerez vite. Entendu. Entendu. Merci. Pas de quoi. Dites-lui que je la salue. Je le ferai. Merci. Était le dîner? Bien. Harry et Mélissa étaient là, alors... Ça s'est terminé un peu plus tard que prévu. Ça va, toi? Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. On ne vous a jamais appris, étant enfant, qu'il était très impoli de fixer les gens. Je suis désolée. Vous êtes Jasmine? Ça dépend. C'est Steven qui m'a dit que je pourrais... Désolée, je ne connais pas de Steven. Il travaille à la Banque des Yeux, il est grand... Soyez gentil, essayez de faire court, fillette. Je n'ai pas le temps. Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider. Vous aider? Quel genre d'aide? Eh bien, je crois que j'ai peut-être une variante de votre don et j'aurais besoin d'un coup de main. Un don, c'est comme un cadeau, vous savez. On vous l'offre et ensuite, on peut vous le reprendre. Je peux payer, vous savez.
Présomptueuse et têtue avec ça. Pendant 2 ans, j'ai été aveugle, moi aussi. Un jour, j'ai été opérée et depuis, je vois des... Enfin, j'ai commencé à avoir des visions à répétition. Elles arrivaient un peu n'importe comment, j'ai essayé de les rejeter, mais maintenant, je... Enfin, j'ai besoin de les voir très nettement. Paliverne, vous ne pouvez pas les voir parce que vous êtes bloquée. Bloquée? Oui. Vous devez être prête à affronter ce qui vous arrive, mais une chose est sûre, c'est que ce n'est jamais facile. Ouvrez vos yeux à ces visions, et le reste sera clair comme du cristal. Comment? Mais en perdant la vue à nouveau. Vos yeux travaillent contre vous, trésor. Vous devez fixer le soleil, sentir la chaleur de la lumière. Détendez tous les muscles de votre corps et contentez-vous de vous laisser aller. Je me sens un peu idiote. Mais vous êtes idiote. Passez au-delà de tout ça. Et vous réussirez à ouvrir la porte quand vous vous sentirez prête à l'ouvrir. N'abandonnez pas. Merci. Je dois m'en aller. Il est temps de laisser la petite reposer pour l'éternité. Ce n'était pas votre faute. Allez en paix. Allez en paix.
C'est ici. Femme allongée dans le hangar. Envoyez vite une ambulance. Elle est sans connaissance. Dès que l'intervention sera terminée, revenez immédiatement. D'accord, c'est compris. Bien reçu, votre urgence terminée. J'ai entendu à la radio que vous faisiez une sieste. Est-ce que ça va? Oui. Je peux savoir ce que vous faisiez ici? Ou dois-je deviner? C'est ici que vos cauchemars se passent. Vous aviez pas dit que je ferais un flic top? Oh, vous savez, je dis des tas de bêtises. Vous pouviez vous faire tuer. Je crois qu'une personne... Oh. Je crois que quelqu'un m'a suivi. Je pense que je suis trop près. Trop près de quoi? De la vérité. Vous devez accepter le fait que Julie Angeletti se soit suicidée, Madame Culver. Non, Julie a été assassinée sur ce chantier. Et je répéterai la même chose jusqu'à ce que je me sois fait entendre. Où, là-dedans? Vous avez trouvé quelque chose? Oui, une empreinte de pas. Prenez cette empreinte en photo. Je vous ramène chez vous. Venez. S'il vous plaît. Oh, merci. Comment ça, ils viennent de partir? Laissez tomber. Est-ce que ça va? Beaucoup mieux, oui. Vous devriez peut-être voir un médecin pour cette petite bosse sur la tête. Je vous remercie, inspecteur. De rien. Au revoir. Merci. Viens, assieds-toi. C'est bon, ça va, ça va. J'ai reçu un coup de téléphone me disant que tu avais eu un accident. Seulement, on a oublié de me dire si tu étais morte ou vivante. Excuse-moi, j'aurais dû t'appeler. Oui, tu as parfaitement raison. Où tu veux en venir, au juste? Le docteur Morgan a été très clair à propos de la fragilité de ta greffe. Tu peux perdre la vue, c'est ce que tu veux. Écoute, je n'ai aucune envie de te perdre, tu entends, Anne? Tu es de plus en plus bizarre, tu dois bien t'en rendre compte. Ça t'ennuie si on... reparle de tout ça demain. Anne. Le choc que vous avez reçu sur la tête aurait très bien pu causer la perte de vos implants. Et ça aurait été complètement irréversible. Reprenez un autre coup sur la tête et vous perdrez la vue. Docteur Morgan, un appel d'urgence, ligne 1. Excusez-moi, je reviens. Ne me regarde pas comme ça. Je n'ai aucun contrôle sur ce qui arrive. Si, au contraire. Je sais que la réponse est quelque part là-bas et je ne tarderai pas à le prouver. Le prouver à qui? À moi. Anne, dans ce cas, laisse-moi t'aider. Tu ne peux pas me laisser en dehors de ça. J'ai pas l'intention de rester à te regarder passivement gâcher ton avenir. T'as entendu ce qu'il a dit? Tu peux perdre la vue, pour toujours. Mais comment je pourrais avoir un avenir? Si je ne vais pas au bout des recherches, tu peux me le dire? On aura peut-être un avenir quand ce sera fini.
J'ai quelque chose de la part de Sanchez pour vous. Sanchez? De quoi est-ce que vous voulez parler? Il a un sacré culot de vous charger de cette commission. Attendez, je vais... N'ouvrez pas cette porte. Regardez, c'est pour vous. Oh, en échange de quelques informations, vous ouvrez la porte, je renverse tout par terre. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qu'est devenu Daryl. Comment ça? C'était dans votre chambre. Un chèque falsifié. Ce n'est pas la signature de Daryl, c'est la vôtre. Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. D'accord. Comme vous voudrez. Je vais avertir la police et ils mettront un terme à vos petites magouilles. C'est d'accord, je vais vous dire ce que vous voulez savoir. D'accord. Ne vendez pas la mèche. Il est mort. D'une overdose. 3 mois. Et je vivais au 305. On devait passer la soirée ensemble. Et il était mort. Sur son canapé, je l'ai retrouvé là. Il avait encore l'aiguille dans le bras. Alors je me suis dit que je devais le laisser reposer en paix. Et j'ai pris sa place. Qui allait s'en inquiéter, hein, après tout. Et vous avez encaissé l'échec qu'il recevait de la sécu. Oui, 355 dollars par mois. Réglé comme une horloge. Il suffisait que je signe l'échec. Personne ne s'est posé de questions jusqu'à présent. Qui d'autre sait qu'il est mort? Il n'y a que vous. Et moi. Et je vous ai raconté tout ce que vous vouliez, tout ce que vous vouliez savoir. Alors donnez-moi ça, d'accord? Vous ne voulez quand même pas finir comme Daryl? Je vais vous rendre service. Non, faites pas ça! Bon, maintenant on sait que ça ne peut pas être Daryl. Est-ce que vous m'avez bien tout dit? Réfléchissez. Je vois souvent un bouquin. Enfin, ça ressemble plutôt à un journal intime. Va le chercher. J'ai pris le temps de lire chaque mot de son journal intime. Je cherchais une réponse, mais je n'en ai trouvé aucune. Vous réussirez peut-être. La police l'a épluché aussi. Mais ils n'ont retenu que ce que Julie avait écrit dans son journal sur le fait qu'elle avait pensé un jour au suicide. Mais elle n'avait écrit ça que parce qu'elle ne voyait pas d'autre solution pour réussir enfin à se débarrasser de Lone. Et aujourd'hui... Je peux? Oui. Excusez-moi. Lone est revenu. Je l'ai vu ce soir de ma fenêtre, il était de l'autre côté de la rue. Je ne peux rien dire à mes parents. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent encore pour moi. Lone n'abandonnera jamais. J'ai appelé la police. Burke m'a vraiment aidée. Je me sens en sécurité avec lui. J'ai peut-être fait des erreurs autrefois, mais cette fois, je veux décrocher mon diplôme pour offrir à Sandy un équilibre et une vie meilleure. Lone m'a suivie à la sortie de mon travail hier soir. Il continue de me harceler. Je préfère encore me suicider plutôt que de subir cet homme. J'en ai marre de devoir le fuir. Vous êtes revenu? Oui, tu vois. Je sais que ce sont ses yeux. Maman? Est-ce que tu peux me voir? Oh, je ne suis pas sûre que ça marche comme ça. Vous pouvez lui dire quelque chose pour moi? Depuis qu'elle est partie, j'ai fait plein d'efforts pour devenir grande. Et je voudrais savoir si elle est fière de moi. Elle est vraiment fière de toi. Et je lui manque autant qu'elle me manque, vous croyez? Tu lui manques terriblement. Je repasserai te voir. Thank you.
Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'y a-t-il? Je me rappelle. Quoi? Je me rappelle ce qui s'est passé. Il y a eu cette lumière qui est apparue de nulle part et cet énorme camion est arrivé. J'ai poussé le volant sur la gauche et j'ai commencé à tourner, à tourner, à tourner. Et puis ça a continué encore et encore et encore, ça a duré une éternité. Tout ce que je voulais, c'était réussir à la protéger, rien d'autre. Et tout à coup, le pare-brise a explosé. Je ne voyais plus rien du tout. Je voyais plus rien du tout, il y avait quelque chose dans mes yeux. Alors j'ai prié Dieu, oui, je l'ai supplié de sauver notre bébé. J'ai demandé que... qu'il sauve notre bébé. Mais il n'a rien fait, il n'a pas sauvé notre bébé, il n'a rien fait. Non, il n'a rien fait. Allez, chérie, ça va aller, ça va. John, je suis désolée. Chut, je suis vraiment désolée. Mon cœur, je suis désolée. Je suis désolée. Si tu savais comme ça fait du bien d'avoir enfin une vraie nuit de sommeil. C'est sûr. La femme dans le parc avait raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit que je devais assimiler mon passé si je voulais aller de l'avant. Alors il serait peut-être temps de voir si une vie normale te convient. Oui, tu as raison. Une vie normale, ce ne serait pas du luxe, surtout en ce moment. Génial. Ça va aller. Vous êtes sûre? Certaine. Et il faut que je vous dise, un type du Sud comme moi n'accepte pas un nom d'une femme qui, au fond d'elle, pense. Oui? Je me débrouille avec le reste. Non, pas question. Non, non, j'assiste. Ma maman n'a cessé de me répéter que lorsqu'on commence un boulot, on doit le finir. D'accord, ça suffit. Le plus important pour un homme, c'est sa réputation. Si on menace sa réputation, c'est comme si on essayait de le tuer. Alors il va essayer de tout faire pour que ça ne se produise jamais. Bonne journée. Allô? Vous devez arrêter, Anne. Ça suffit. Qui êtes-vous? Allez faire un tour sur votre terrasse, ma jolie. Vous verrez. Que Julie vous a donné, je peux le reprendre. Bon, c'est vrai, vous avez énervé ce gars, je vous l'accorde. Vous allez arrêter ce type? Je sais que c'est très frustrant, mais j'ai peur que ce soit insuffisant.
Ce dont j'aurais besoin pour être convaincu et convaincre mes supérieurs, c'est... Enfin, ce serait une preuve quelconque, n'importe quelle preuve. Que faut-il qu'il fasse? Qu'il me tue? Ce gars-là n'a pas de règles à suivre. Nous, on en a. Bon, tout ce qu'on peut faire, c'est le surveiller de près. C'est réconfortant. Écoutez, ne soyez pas inquiète. Je suis bien contente que tu sois venue avec moi. Même Sherlock Holmes avait besoin de l'aide de Watson, de temps en temps. Alors, où est-ce que ça s'est passé? Elle est passée par ici, devant le bureau des ventes. Le tueur, lui, il est arrivé par là. Elle est restée quelques minutes de ce côté et ensuite, elle a marché jusque-là. Elle a fait demi-tour et elle est allée dans cette direction. C'est là que ça s'est passé. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Il est entré par là. C'était à elle? Oui. Et nous avons pris des photos du bracelet avant de le déplacer. Je suis impressionné. Avec ça, on a un bon dossier. Je reconnais que vous m'épatez. Oui, moi aussi, je l'avoue. Bon, très bien. Je crois qu'il est grand temps pour moi d'aller poser quelques questions à Lon. Et merci pour cette preuve, lieutenant Culver. Oh, attendez. Je pourrais garder le bracelet jusqu'à demain? Il est crucial pour le dossier, Anne. Je sais que c'est contre la procédure, mais s'il vous plaît, il est important que je le montre à sa mère. Je vous promets de vous le rendre demain, s'il vous plaît. Évitez de le perdre. Je vous raccompagne. Et tu as réussi. Tu sais qu'Ara, je tiens à te remercier d'être resté avec moi. Jusqu'au bout. Lon Saunders, c'est l'inspecteur Burke. Vous vous souvenez de moi? Approchez, il faut qu'on discute. Qu'est-ce que vous voulez cette fois, Burke? Je veux juste discuter. Venez me rejoindre. Mais oui, bien sûr. Vous n'avez pas quelque chose à me dire? Non. C'est l'heure de la vérité à propos de Julie Angeletti. Non, j'ai plus rien à dire à son sujet.
Burke. Posez ça tout de suite. Je pense que Madame Angeletti sera très heureuse. Oui, allô? Vous êtes Madame Culver? Oui, c'est exact. Ici le central de Delvester, je vous transmets un appel. Parlez, inspecteur. Anne? Oui? Anne, ici l'inspecteur Burke. Lon est mort. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tenté de résister à son arrestation. Et puis il m'a menacé d'un flingue, alors J'ai dû tirer et l'abattre. Mais je vous expliquerai tout ça demain. Et vous, est-ce que ça va? J'ai connu une meilleure soirée. Merci, inspecteur. Je veux vous montrer quelque chose. Rassurez-vous, Julie peut reposer en paix. Merci. C'était à maman? Oui, c'était à elle. Allez-y. Dis-moi, chérie, je peux te parler une minute? Assieds-toi. J'ai appris beaucoup de choses sur ta maman. Et il y a une chose très très importante que tu dois savoir. Elle ne t'a pas abandonnée. C'est quelqu'un qui te l'a prise. Je sais que c'était une femme et une maman extraordinaire. Oui. Oui. Ça me manque de plus lui parler. Grand-père et grand-mère, tu sais, il y a des trucs que je peux pas leur dire. C'est parce que il va leur falloir du temps pour guérir et aller mieux. Je peux parler à ma maman de quelque chose? Bien sûr que tu peux. Salut maman, j'espère que ça va là où tu es. Je sais que tu me répondras pas, mais ça ne fait rien. J'ai réussi à rentrer en grande section. Tu disais toujours que j'aimerais la grande école et tu avais raison. Je sais que tu seras toujours avec moi et quand je serai grande, je me souviendrai de ce que tu m'as appris. Je voudrais continuer à discuter avec toi. Toujours. Est-ce que tu sais ce qu'elle te dit? Quoi? Elle aimerait qu'on fasse ça plus souvent. Viens mon ange. Écoute, chérie, je sais que je n'ai pas toujours été d'accord avec toi dans cette histoire. C'est une plaisanterie. Je t'en prie, ma puce. Je fais de gros efforts, là. S'il te plaît, assieds-toi. Tu es une femme formidable. Je suis vraiment fier de toi. Et je veux que tu saches que je m'en veux d'avoir réagi ainsi. Moi aussi. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que tu y vois? Je vois la femme que j'aime. Et notre futur aussi. Notre futur aussi. Et il a l'air plutôt brillant. Je réponds pas. Tu dois décrocher. Non. Mais c'est peut-être important, vas-y. Allô? Je voudrais parler à John Culver. C'est moi. Ici la sécurité de l'entrepôt. L'alarme s'est déclenchée, il faudrait venir l'arrêter. Une minute. La sécurité de l'entrepôt, l'alarme s'est déclenchée et il me demande d'aller là-bas pour tout arrêter. Vas-y. Je t'ai dit d'y aller. Allez, fonce, vas-y. J'arrive tout de suite. Merci, monsieur. Mais... Quoi? Dépêche-toi. Oui. Imagine. Des bougies. Oui. Du vin rouge. Un bain moussant. Oh. Allez, vas-y. Je ne vais pas traîner. À tout de suite. Mmh.
ne sera pas long. Bien que tout porte à croire que cette fille se soit suicidée en sautant du pont. J'ai noté quelques contusions sur la tête que je voudrais examiner. Qu'est-ce qui t'amène ici? Il commence à s'énerver là-haut. Il voudrait connaître les résultats. Et tu veux bien me donner le début de ton rapport pour que je le fasse taper tout de suite? Oui, bien sûr, j'en ai pour quelques minutes. Je viens de terminer la troisième cassette. Et je repasserai prendre la quatrième tout à l'heure. D'accord, Burke, à plus tard. J'ai frappé, mais personne n'a répondu. Non, j'avais mon casque sur les oreilles. Oui. J'ai oublié mon calepin dans l'autre pièce. Et je ne voulais pas entrer, le prendre et m'en aller. Je croyais avoir verrouillé la porte. Mais si c'était le cas, je ne serais pas rentré tout seul, n'est-ce pas? Non, non. Non, bien sûr que non. On y va, on va chercher votre calepin. Où est-ce que vous l'avez laissé? Je n'en sais rien, quelque part par ici. Vous semblez nerveuse, ça va? Vous savez, il y a une question que je ne vous ai jamais posée. Laquelle? Les visions que vous avez. Comment vous... vous faites pour les arrêter? Et quand savez-vous qu'elles sont terminées? Je n'en sais rien. En réalité, maintenant que cette histoire est finie, j'espère que d'ailleurs... Quand l'avez-vous découvert? Quoi? Anne. Anne! Quoi? Quoi? Est-ce que vous l'avez toujours su? Parce que si c'est le cas, vous êtes douée. Vous êtes venu chercher le journal et le bracelet? Oui, et le témoin oculaire. Je comprends que vous n'ayez pas vu le bracelet. Comment pouviez-vous le savoir? Il faisait nuit et tout s'est passé si vite. Mais le journal... Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu l'idée de le garder? Vous n'êtes pas si douée que ça, Anne. Parce que sans votre monstrueuse mutation, je ne serais pas ici à l'heure qu'il est. Mon mari sera à la maison d'une minute à l'autre. Mais vous serez certainement surprise si je vous dis que ces appels d'alarme sont souvent une grosse perte de temps. Mais je vous promets que votre mari reviendra bien assez tôt. Si vous avez protégé Julie de Lonne, c'est bien ça? Ou c'est ce que vous lui avez dit? Le danger venait vraiment de Lonne? J'ai protégé Julie contre son propre mauvais jugement. Et c'est l'homme qui m'en a donné l'idée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle vous a rejeté? Elle vous a giflé? Elle s'est moquée de vous? Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous pousser à la frapper à mort? Elle menaçait de tout dire à mon épouse. Et je ne pouvais pas la laisser faire. Elle menaçait de dire quoi? Qui peut dire quand le sexe est un acte consentant ou non? Vous avez violé Julie. Je n'allais pas rester à attendre patiemment qu'un juge ou des jurés se décident. Par ailleurs, ça aurait blessé ma famille. C'est ça, alors maintenant vous allez me tuer. Et vous ferez porter le chapeau à Lonne. Seulement il y a un petit problème. Ça aura sans doute l'air suspect dans la mesure où Lonne est mort il y a 2 heures. Qui a dit qu'il était mort? En réalité, il est vivant, il est dans mon coffre. Quoique... dire qu'il est vivant est un bien grand mot. Vous voyez? Il est entré par effraction. Une fois ici, il a d'abord tué votre mari. C'est toujours une bonne idée quand on vient pour sa femme.
mais c'était sans compter sur un détail intéressant. Ce revolver que vous avez pris le soin d'acheter récemment sur mon conseil, vous lui avez collé 2 balles dans le corps sans hésiter. Mais vous lui avez laissé une chance de tirer une fois et de vous mettre une balle entre les 2 yeux. Ce pauvre Lon s'est vidé tout doucement de son sang à côté de votre dépouille. Affaire classée, on aura définitivement tiré un trait là-dessus. Vous savez, j'ai appris une chose étonnante aujourd'hui, c'est le peu de sang dont le corps a besoin pour vivre. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour remplir ça, il se tortille toujours là-bas dans le coffre. Il y a un peu de Lon en chacun de nous. Vous n'êtes pas donneur d'organes, n'est-ce pas? Parce que moi, je n'ai aucune envie de revivre tout ça encore une fois. Posez ça tout de suite. Jetez-le par terre! C'est parfait. Vous aussi, vous êtes comme Julie. Une vraie battante. Mais malheureusement, ça ne vous sauvera pas la vie. Vous voyez, c'est la forme de ces taches de sang qui racontera toute l'histoire. Je n'ai jamais souhaité que ça finisse de cette façon. Mais vous avez montré tellement de persévérance. Ne bouge plus! Ne bougez plus! Accrochez-vous, Lon. Accrochez-vous. Allez, répondez. Police, secours, j'écoute. Vite, c'est pour une urgence. Il y a un officier qui est blessé. Envoyez une ambulance au 108 Spruce Way, s'il vous plaît, vite! On arrive tout de suite. Maintenant, c'est terminé. Cette histoire est vraiment terminée. Ils seront bientôt là.